arrivée dans le quartier le 31 janvier 1992. Ça m'a plus tout de suite parce qu'il y avait la rue des Pyrénées qui était pas loin. Enfin, il y a pas mal de choses. Moi, j'aime bien le 20e, ce côté du 20e. J'aime celui-là. Et ce qui m'a plu vraiment aussi, c'est la mixité, c'est convivial, c'est agréable. Voilà. Les gens sont sympas. On a vraiment très bon commerce, des gens très très sympathiques, respectueux. Voilà, on est tous contents de nous, voilà. Donc on est contents d'eux. J'ai trouvé beaucoup de choses très très appréciables dans ces quartiers. Surtout la gentillesse des gens, quel qu'il soit le niveau social. Il faut quand même remarquer ça. Et il y a énormément de choses qui sont très très agréables dans ces quartiers. On ne fait pas d'énormes choses compliquées, mais ça fait 11 ans qu'on est là et les gens ils aiment bien. On essaye de rester comme ça, simple et humble. Avant, on a aussi retoucheur, vêtements, un autre quartier. Maintenant, on est là. J'ai passé par là, j'ai vu une boutique. Je descends avec les voitures, voilà, je regarde, je prends le numéro de téléphone. C'est pour ça, je suis là maintenant. Je suis installée la boutique là 15 ans. Ouais. Je suis là avec mon mari quand ils ont été là. Il n'y a pas pour professeur pour expliquer pour travailler ici, travailler ça, non, jamais. Juste que regarder et après on fait le travail. Il y a beaucoup de clients, ils sont sympas. C'est comme vous déjà. Beaucoup de diversité. Il y a beaucoup d'artistes aussi. Nous avons pas mal d'artistes qui vivent ici. Il y a la ville villoise, il y a énormément d'amusement pour les jeunes, évidemment. Je pense que c'est ça que les jeunes ils sont peut-être venus plus vers Paris 20e, en voyant beaucoup de divertissements, peut-être plus que dans des théâtres. Nous avons des théâtres, le théâtre Ménilmontant qui n'est pas loin, il y a beaucoup de choses. C'est formidable comme quartier. Est-ce que les gens le savent? Je ne sais pas. Le soir, c'est très animé, d'ailleurs. Moi, où j'habite, j'ai déjà demandé plusieurs fois de me mettre un tapis ou quelque chose. Je ne peux pas monter sur leur tête, hein, comme avec les gens. Ça, je partirai pas d'ici.